Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi. Je vous prends en retard puisqu'il est déjà 11h, mais en fait depuis hier déjà j'ai pas vlogué, j'avais pas le courage. Et aujourd'hui depuis le réveil je me dis je vlog ou pas, je vlog ou pas, c'est pas intéressant, je vlog pas, je fais rien d'intéressant. Bref, et au bout d'un moment je me suis dit ouvre ton vlog parce que t'en as envie quand même, hein, ça me manque sinon je prendrais pas la caméra. Donc je l'ouvre, je ne sais pas du tout si ce vlog va être intéressant, mais je vous emmène avec moi aujourd'hui. Donc j'ai déposé Aaron à la crèche, ça a été assez compliqué ce matin parce qu'en fait hier à la crèche il s'est fait mal. En sortant du dortoir apparemment il s'est pris la porte sur son gros orteil et bah voilà, il avait du sang, l'ongle et le... en dessous de la peau a été enlevée, enfin bref. Donc il souffre beaucoup à ce niveau-là, enfin beaucoup, tout est relatif, mais disons qu'hier soir quand j'ai dû lui enlever le pansement, ça a été très compliqué. J'ai désinfecté, elle lui avait déjà désinfecté, mais j'ai redésinfecté, et j'ai voulu lui remettre un pansement, mais il n'a jamais voulu. Voilà, donc du coup, peut-être que c'est pour ça, mais ce matin en tout cas, il m'a accroché, il hurlait, il ne voulait pas que je le laisse. Donc j'ai failli leur dire, laissez tomber, je le garde avec moi. Mais voilà, après moi j'avais prévu de faire des choses aujourd'hui, donc puis la crèche était payée, enfin voilà, c'était pas possible. Du coup elles l'ont pris, je suis rentrée, j'ai attendu 20 minutes et je les ai rappelés pour savoir comment ça était, et apparemment il s'était calmé et tout allait bien, il faisait les chansons donc il était content. Voilà, j'ai déposé Alice à l'école, elle mangeait à la cantine, donc là je suis dispo, enfin je suis dispo. Jusqu'à 15h30 je n'ai à m'occuper entre guillemets que de moi, mais c'est surtout que de la maison, de tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, j'ai monté une petite vidéo qui est en cours de chargement, ça c'est cool, j'essaie de prendre un peu d'avance. Et je suis en train de faire le repas de demain midi, parce qu'en fait demain matin à 8h je garde les enfants de nos copains. Donc un garçon et une fille de l'âge d'Alissa, de ouais, 3 et 4 disons, 3 ans et demi, 4 ans et demi. Donc voilà, je les garde, donc... ils mangent à la maison, donc disons que déjà que je galère avec deux enfants, avec quatre, j'imagine pas la matinée. Du coup, je préfère anticiper et tout préparer, comme ça j'ai juste à réchauffer demain, voilà. J'ai prévu du filet meunière, ça je le ferai à la poêle demain. Je suis en train de faire un gratin de courgettes et avec il y aura des coquillettes, donc voilà. Je prépare tout ça. Voilà l'envers du décor. Et j'ai fait aussi une pâte à crêpes parce que j'avais envie de préparer des petites crêpes pour le goûter. Et puis voilà, il faut juste que je réfléchisse au repas de ce soir, comme ça si je peux le faire. Disons que quand je récupère les petits après je suis tranquille, voilà. Surtout que je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais Julien est parti à Saint-Etienne hier matin et il ne revient que vendredi soir. Donc voilà, j'ai personne pour m'épauler ou pour m'aider, donc il faut que je... voilà, que je sois bien organisée, que si mes repas peuvent être faits, etc. C'est quand même beaucoup mieux. Et depuis dimanche, je n'ai plus de téléphone. Donc j'ai le téléphone que grâce à ma wifi. Je peux appeler juste quand je suis à la maison. Voilà, donc j'évite de sortir parce que j'aime pas être ailleurs. Si jamais la crèche ou l'école m'appelle et que j'ai pas de réseau. Parce qu'en fait, il y a un problème, par exemple, sur les lignes Bouygues Télécom. Donc j'attends vendredi que Julien rentre pour pas être toute seule. Et je résilie Bouygues pour prendre Free. Puisque j'en ai marre de Bouygues, c'est tout le temps la galère, je n'ai jamais de réseau et là depuis dimanche du coup je ne peux plus appeler, sauf si je suis chez moi. Donc si j'ai besoin, même moi s'il m'arrive un truc dehors, voilà, je peux pas. Donc ça m'agace fortement. Voilà, ça fait 3 minutes pour introduire ce vlog, je vais me taire, je fais mon petit gratin de courgettes et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, du coup j'ai fini de couper toutes mes courgettes et là je vais faire ma béchamel maison, j'ai pris une recette sur internet avec le robot. On va tester ça ensemble. Donc il nous faut 500 g de lait, 60 g de farine, 40 g de beurre, une cuillère à café de sel, une pincée de poivre, une pincée de noix de muscade. Et on fait ça 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Allez, c'est bon, parti. Du coup voilà ma béchamel, elle a l'air bien bonne. Je vous dirai ce que j'en pense quand on aura goûté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais préparé tous les ingrédients et j'avais mis le beurre en fait dans un bol quoi. Et je le lance, presque terminé. Et je commence à faire la vaisselle. Et j'avais pas mis le beurre. Donc j'avais mis que la farine et le lait. Donc ça avait quand même bien chauffé et fait une bonne texture. J'ai rajouté le beurre. Donc j'espère que ce sera bon. Là c'est un peu chaud. Je goûte ou pas? Oh si, elle est bonne. Elle est très bonne. Donc ça va.
Je me suis bien débrouillée. Donc je fais mon petit gratin de courgettes tranquillement. Je vais le lancer. Ensuite je ferai mes crêpes. Pour midi, moi j'ai le reste des aubergines fondantes que j'ai faites hier. La recette de bébé pulpeuse qui est délicieuse. Donc je vais manger ça. Je vais me faire avec des coquillettes, je pense, parce qu'hier j'ai mangé ça avec du riz. Et comme je voulais des coquillettes pour demain, je vais en faire beaucoup comme ça. Ça sera prêt quand je m'occuperai des 4 enfants. Voilà. Bon allez, je continue. Et voilà le petit gratin qui va partir au four. Hop là, je sais pas encore combien de temps il faut que je le cuise. Je fais toujours à vue d'œil. Donc il est 11h30. Je l'ai mis à 180 degrés. Faut que je guette, je vous redirai ça. Il me reste des courgettes, donc je pense que je vais les cuire à la vapeur, comme ça. Bah, j'ai notre repas de ce soir, parce qu'il y aura je vais voir. Mais en tout cas, ça fera partie du repas de ce soir, voilà, que je m'exprime mieux. Donc il me reste ça de courgettes. Hop là. Je vais les faire cuire au cookéo. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, les crêpes sont prêtes pour le goûter de ce soir. On va se régaler, ça sent trop bon. Ici j'ai les coquillettes, moi je vais en manger à midi et il y en a pour demain midi avec les enfants. En dessous j'ai des courgettes à la vapeur pour ce soir. Ici il y a le gratin que je vais pas tarder à sortir. Et donc il fait tout nuit d'un coup là, pourtant il est midi 15. Et moi pour midi, je vais manger donc les restes de courgettes d'aubergine fondante qui est là, que je vais réchauffer. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Et je vais me régaler. Et voilà, c'est prêt. Moi, je vais me régaler. J'ai sorti le gratin du four. On va le laisser refroidir tranquillement. Et puis voilà, je trouve que j'aurais quand même pas mal bossé pour une matinée. J'ai pas fini encore. J'ai beaucoup de choses que je voudrais faire. Mais là, je vais déjà aller manger tranquillement, hein, dans le calme. Profitons de ces moments de calme, j'ai envie de vous dire. Puisqu'ils ne durent pas très longtemps. Voilà. Bon, allez, bon appétit. Vous savez, je fais quoi, là? Je me réveille, oui. J'ai sombré. Bon, je mets toujours le réveil. Hein. Et j'ai bien fait parce que j'ai dormi quasiment 2 heures. Par à-coup, par réveil, par pause pipi, etc. Je suis déphasée. Je suis fatiguée, je repars dans pas longtemps. Je repars dans 20 minutes. Donc je vais me réveiller tranquille. En douceur, je ne fais pas de café ni rien. Donc il est là. 3h15. Oui, il est 3h15. Il a l'air d'avoir un super soleil d'or, mais quand même froid. Hein. Je pense que... Je sais pas si vous voyez le soleil. Ouh, je vais comater 10 minutes. Je suis toute décoiffée. C'est pas grave. Je vais comater 10 minutes et puis après je vais aller chercher Alice à l'école. Je vous dis. Bon, j'ai récupéré les 2 petits monstres. Ils sont là, très excités. Ah ben apparemment, on passe une très bonne journée, donc tant mieux. Je vais préparer le goûter. Lily va manger des crêpes et Aaron et moi aussi. Aaron a déjà fait son goûter, mais je vais pas lui dire non, je mange pas de crêpes. Clairement, c'est pas possible, donc on va manger avec de la confiture. Ce sera très très bon. Coucou, je pense pas, il est 9h15. J'ai couché les petits, ça y est. J'ai pris ma douche. Et voilà, je suis prête à aller manger. Moi, ce soir, ce sera salade. Je sais pas, j'avais envie d'une salade. Voilà, petite salade de tomates avec des carottes râpées, de la salade verte et de l'avocat. Vous voyez pas tout parce que j'ai pris une assiette creuse, en fait. Donc du coup, voilà, je vais manger ça, je vais me régaler. Et je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant parce que j'ai envie de me reposer et de profiter de ma soirée. Voilà, j'ai eu Julien au téléphone, il est parti voir un match à Lyon. Donc voilà, il profite de sa semaine en solo et il a bien raison. Moi, je suis bien contente qu'il puisse profiter. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de moment à lui. Alors oui, moi aussi, c'est clair. Mais là, il a la possibilité d'en avoir que pour lui, d'en profiter et de revenir reposer pour prendre le relais ce week-end. Voilà, il va s'occuper de moi ce week-end. Je m'occuperai plus des nuits. Voilà.
On va dire ça comme ça. Bref, donc j'espère que ce petit vlog en notre compagnie vous aura plu. C'était pas très très intéressant, mais j'avais envie de vlogger quand même, donc c'est fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.